Une équipe au complet. Il y a des équipes, notamment des jeunes, qui viennent tous ensemble pour encourager l'Amiens Sporting Club. Amiens qui est en train de défendre 0-0 après 4 minutes de jeu. Et moi, j'avais confiance en ce garçon-là pour s'imposer dans le groupe professionnel. Ah, il a joué un paquet de matchs quand même, hein, avec Amiens. Mais disons qu'il a stagné. Il a stagné, il a même sur... C'est donc une équipe, je vous le disais, fragilisée, hein, c'est rien de le dire. Situation critique pour l'équipe des Vérel et de l'entraîneur Serge Romano. Incroyable. Malgré cela, cette équipe... Incroyable, Tony Vérel, qui marque là son 6e but de la saison, mine de rien. Oh, attention, on le recherche à nouveau, Tony Vérel sur ce long centre en direction de la surface de réparation. Il a fallu centre en retrait de Tousgard. Voilà un autre centre, celui de Tamon dans la surface de réparation. Dégagement de El Ataria pour Guignon. Guignon qui essaye de repartir de l'autre côté du terrain maintenant avec Giovan Vérel. Avec Cyrilli pour Djabala. Aïe, très mauvaise passe entrée de la part de Djabala. Et contre-attaque pour Guignon, emmené là-bas par Giovan Vérel. Giovan Vérel qui se ressaisit, qui adresse un bon ballon pour Jamais. Jamais du bout du pied à décaler l'action. La contre-attaque de Guignon de la gauche vers la droite avec un centre maintenant de la part de Père, renvoyé par Clément. Hein, c'est ce qu'Antoine vous a demandé à la mi-temps. Bon. Bon, ah ben attends. Ça serait un peu plus libéré déjà. Ouais, je me doute. Hein, parce que c'est compliqué. On aurait pu vous appeler Jamais. Enfin, ça, c'est douche. Bon, en tout cas, un but partout. Et l'attaque de Guignon maintenant. Avec attention, Giovan Vérel en débordement. Où il a slalomé, il va frapper le tir et le but. Et le but. La famille Vérel qui joue les bourreaux de la Mia SC ce soir au stade de la Licorne. Une percée en solitaire du cadet des Vérel qui élimine plusieurs Amiénois et qui décoche une frappe magnifique depuis le côté droit de l'entrée de la surface de réparation. Landry Bonnefoy est complètement battu. Alors là, c'est un coup terrible pour la Mia SC. 52e minute de jeu. Et 2-1 pour Guignon. Le public, les joueurs, le staff, incrédule. Incroyable. Giovan Vérel. Après Tony, c'est Giovan Vérel qui élimine les deux rideaux défensifs de l'Amiens SC. Oh, on l'a senti très déterminé dans sa conduite de balle avec quelques petits déhanchements. Et puis alors, une frappe très pure, hein, qui est allée se loger pratiquement dans la lucarne de Bonnefoy. C'est un but magnifique, hélas, hein, Sébastien Atlan. Mais c'est un but qui fait Bégani. Mal. Et à l'instant, donc, Kosoko à la place de Clément Timon. Attention à l'accélération de Giovan Vérel qui part en solitaire encore une fois et qui va lober Bonnefoy. Heureusement qu'il y a eu un petit rebond. Heureusement qu'il y a eu un petit rebond parce que le terrain se dégrade un petit peu quand même. Hein. On voit quand même qu'ils ont beaucoup d'espace, les attaquants de Mono. On est un petit peu statique quand même, nous, derrière là. Un petit peu lourdeau par moment. Et heureusement qu'il y a la petite motte. Hein. Rentrer dans les transmettres adverses, la Zobiri vient encore d'être contrée. Et l'équipe de Guignon, avec l'expérimenté Tony Vérel, conserve le ballon. Il le donne à son frère qui est plein de jus. En un contre un, il a éliminé Mieniel. Il se heurte maintenant à Liboï. Il tente un nouveau lob et il le met au-dessus. Oh, il est plein de jus. Hein. Il est plein de jus, Giovan Vérel. Ça. Bienvenue en Picardie, hein, Sébastien. C'est sûr. On voit Aïe, le compte, il n'y a pas hors-jeu avec notamment Famri, le tir de Famri. Oh, il a fallu un peu. Before I start this song, man, I just wanna thank everybody for being so patient and bearing with me over these last couple of years while I figure this shit out. Another pill, trying to talk myself into it. Are you stupid?
to yourself. You're slowly dying, you're denying. Your health is declining with your self-esteem. You're crying out for help. Keep your head up, don't let up, just keep slaying them. Rest in peace to DJ M, cause I'm